Et bien salut à toi YouTube, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn pour continuer notre let's play. Nous sommes à l'épisode 44. La dernière fois, on avait fait des épreuves de chasse. On avait fait bronze et argent, on n'avait pas pu faire la troisième. Et après, on a été voir le chef du clan à la cime du champ, qui s'appelait Aratak, qui était le frère de la fille qu'on avait vue. Dans le truc de robot et tout là, qui avait des trucs bleus sur elle, un peu implantés dans elle, bizarre. C'était son frère, et du coup on l'a affronté en duel. Ça s'est mal passé, les mobs que les gens du peuple, pour faire les épreuves, devaient attirer. Et bah ils étaient un peu possédés, on va dire, corrompus. Et du coup bah ils se sont fait abattre. Et donc nous avons défoncé les mobs. Et le chef il nous a dit bien joué à toi, tu as gagné. Et du coup maintenant bah faut qu'on aille là. Et du coup il se joint à nous et à la sœur pour aller là-bas à l'au-delà où est-ce que personne n'est jamais allé ou je sais pas quoi. Pour continuer tout ça, voilà, donc nous sommes arrivés au clan, au grand. Mais ils ont tué bien plus de Banouk pendant. Petit coup de sauvegarde. Et t'as plein de quêtes secondaires. On va parler à Aratak. Les réserves sont remplies, comme prévu. Okay. Et nos éclaireurs sont à l'affût des griffes de gel. Et notre but était de reprendre la montagne. Et on n'en revient pas. Voilà. Ce sera à vous de défendre la plaie. Si notre chef est d'accord avec ce plan. Ça me paraît sensé, mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Bonne chance. C'est la chef maintenant. Le poids du commandement est un lourd fardeau. J'ai remarqué. Ourea et toi? Je suppose que tu n'as pas parlé à Ourea? Je devrais. C'est tout ce qu'elle voulait. Retourner au fût du tonnerre. C'est tout ce qui l'intéresse. J'aurais dû me douter qu'elle trouverait un moyen d'écarter ma lance. Quand les Karja ont capturé ma sœur, elle n'est pas revenue indemne. Que lui est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à Ourea quand elle était avec les Karja? En tant que chamane, elle est douée avec les machines pour les traquer. Les étourdir. Les Karja l'employaient pour les capturer pour la fosse, où ils les lâchaient sur des innocents. Ils l'ont mêlée à leurs loisirs sanguinaires. La honte qu'elle a éprouvée sous leur soleil impitoyable. Elle a survécu. Elle a tenu bon. Tenu bon en se concentrant sur son esprit, sur son but. C'est tout ce qui lui reste. Qu'est-il arrivé à la première expédition? Ourea nous a guidés vers le sommet. Mais une grande porte barrait le passage. Un genre de creuset. Du métal. On a essayé de la forcer. Mais elle ne bougeait pas. On était épuisés. On était pris entre cette porte et les machines. Culés. Ça nous a coûté cher. Mais on aurait tous péri en restant là-bas. J'espérais ne plus jamais faire subir ça à Ourea. Derrière la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je ne sais pas. Cette grande plaque de métal, ce bourdonnement. Il n'y a rien de sacré ici. Des machines et la mort, c'est ce que nous réserve la montagne. Notre mort ou celle du Daemon. Et si on retrouve cet esprit? Alors on devra peut-être abréger ses souffrances. Au revoir. Pour ce que ça vaut, merci de m'accompagner. Quelqu'un doit protéger Ourea. C'est quoi ce bruit derrière là? Il fout quoi Ah c'est mon... Réduit au silence par les autres. Je sais pas ce que c'est. Ok, bah d'accord. Bon, on va continuer par là pour aller parler à Ourea. C'est bon, si. Il fait froid. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on continue tout ça. Ah, je devrais peut-être acheter des trucs au marchand. Pas grave. On s'en sortira très bien comme ça. Bah, j'espère. Vas-y, on va là-bas. C'est stylé ici. Ah oui, c'est pas des... C'est une cascade de neige, le truc. En vrai, c'est beau à voir. Je sais pas si dans la vraie vie, ça se voit beaucoup, ça. Mais c'est bizarre de voir des cascades de neige comme ça. Sympa. Faut qu'on grimpe ça? Non. Ah mais non, c'est un bâtiment. Ah juste qu'il y a une porte. Ah oui, c'est une porte.
Et là, femme à faire barbecue. Trop bien. Nous y sommes. Je vais avoir la chance de retrouver l'esprit et peut-être lui rendre la lumière bleue. Je n'aurais jamais eu cette chance toute seule. J'avais besoin d'une étrangère, ignorante de nos coutumes, mais... Non, pas ignorante, mais... Tu veux me remercier, Auréa ? Oui, bien sûr. C'est ton talent. Tu démêles les nœuds, tu crées des opportunités. Merci d'avoir rendu ce pèlerinage possible. J'aurais juste préféré ne pas avoir à humilier Aratak. Tu as eu raison de le laisser venir. Il en a le droit, il est buté, mais... Il le fallait. La guerre l'exigeait. Et moi aussi. T'es prisonnière des Karja. Voilà. T'as dû souffrir. Pour Aratak, tout est lié à ça. Ils croient que les Karja m'ont changé, mais c'est faux. Ils m'ont rendu plus résolue. Bien joué, toi. Quand tout semble perdu, on pense à ce qui compte vraiment. L'esprit. La lumière bleue. Esprit, es-tu là ? Au-delà. Je crois qu'il n'est pas là. Et mon frère, bien sûr. Chaque fois que je sentais le vent glacé du nord, je pensais à lui. Je m'inquiétais. Aratak et la guerre. Qu'a fait la guerre à Aratak ? Elle a tout éliminé, ne laissant que son essence. Une âme de glace. Aucun Banouk n'a sa volonté. Il a combattu les Karja pendant 1000 nuits gelées, mais ralliait toujours ses chasseurs à l'aube. 1000 nuits ? Il a subi 23 blessures pendant toutes ces années. Ses hommes ont compté. Il ne s'est pas plaint une seule fois. Pourtant... Mais c'est quoi, 23 blessures ? Il se plaint que la vie est plus dure avec moi. C'est vrai. Je ne lui apporte jamais que des ennuis. Silence. Maintenant que je suis chef du Vérac, est-ce que je peux... T'ordonner de me parler de Silence ? Aratak ne se serait jamais permis de convoiter un secret du conclave. Mais tu n'es pas Aratak et... Si tu as eu affaire à Silence, je comprends ton insistance. Silence était un jeune chaman des Terres du Nord. Il venait du guet de la Chouette. Un Vérac isolé et rarement présent aux assemblées. Silence était chaman ? C'est ça. Ou du moins, quand nos coureurs ont demandé au guet de la Chouette, c'est ce qu'on leur a dit. Il connaissait les machines comme personne, et puis... Il était impatient d'échanger son savoir avec nous autres. Il a eu tôt fait de gagner la confiance du conclave, et même par la suite, de recevoir une invitation. Toi aussi ? Tu lui faisais confiance ? Non. Mais je l'admirais. Il avait de la prestance, de l'autorité. Je voulais qu'il m'instruise, mais... Ça ne s'est jamais fait. On lui a révélé notre lieu de rencontre le plus sacré, les cavernes gelées du Malmstrom, à un mois de marche de Banur. Okay. Il nous y a rejoints comme de coutume, en plein hiver. Mais à la visite suivante, les grottes avaient été pillées. Des reliques des anciens volées, des trous dans la glace et le métal. Oui, ça ne m'étonne pas de Silence. Il a disparu avec ce... sans revenir. Et quand on a contacté le guet de la Chouette, ces garants avaient tous disparu. Bizarre. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains membres du conclave pensent même qu'ils n'étaient pas réellement Banouk. Qu'est-ce que tu en penses ? Il a commis un sacrilège impardonnable. Il est sans scrupules et dangereux. C'est exactement lui. Mais aussi brillant, habile et instruit comme personne d'autre. À part, peut-être, toi. Oh, c'est si gentil. Je ne vais pas tenter de t'en dissuader. Je pense que tu pourras traiter avec lui sans danger. Mais reste sur tes gardes. Je m'en souviendrai, Auréa. Merci. Ouais, oui. Feu du tonnerre. Qu'on trouvera là-haut, Auréa ? Des ruines, des machines, une porte, comme celle d'un creuset. Okay. Je sais que tu trouveras le moyen de passer à l'œil. Car au-delà se trouve l'esprit. Je sais que je l'y trouverai. Mais je sais que le Daimon a tenté de cacher la voie.
go, on y va. Ça a dû être dur pour toi, Auréa, de revenir ici. C'était incroyable de l'entendre à nouveau. Cette fois, tu l'entendras. J'aimerais bien. Alors, tu es prête? Une fois partie, le retour ne sera pas simple. Partir pour le fût du tonnerre. Bam! Attention! Enfin, l'ascension. Comment? Je ne vois aucun passage. Pas par là. À travers. Maintenant, mon frère! Elle n'est pas seule à attendre. De la fumée a été détectée dans le complexe. Ce n'est pas un test. Veuillez rester calme et rejoindre la sortie la plus proche. Je répète, ce n'est pas un test. Alors, tu vois, veuillez rester calme. Moi aussi, je peux invoquer le pouvoir des anciens. Putain, ça me fume qu'ils aient... Ça me fume qu'ils aient utilisé le système de sécurité. L'esprit m'a dit que tout ça faisait partie de son domaine autrefois. Une forteresse conçue pour défendre l'humanité d'un grand danger. C'est joli. Une forteresse? On dirait plus une machine. Est-ce étonnant? La lumière bleue habite souvent les machines. Espérons seulement qu'il en reste ici. Ok. Pas mal. Ici, par-dessus. Oui, attends, je récupère un peu de loot. Parce que j'ai plus de bleu hit pour faire des. Ces trucs là, j'en ai plus beaucoup. Je crois que c'est la bleu hit que ça se bat bleu hit pour des machins. J'en ai plus du tout. Donc voilà. Ok. On passe vraiment par là, mais attends, et en bas l'autorisation. Attendez deux secondes. Ouais, on peut vraiment pas, on est d'accord. Non, reste en haut, mec. Comme ça, je reste une première fois, je rate la deuxième fois. Comment je peux rater? Pourquoi je peux pas? Genre, j'avais fait comme ça? Attends. Je vais là. Attends, mais j'arrive même plus à grimper. Ah, c'était pas là qu'il fallait faire? Mais comment j'ai fait tout à l'heure? Ah, j'escalade ça? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué apparemment, c'est... Alors du coup, mon stick qui galère à aller à droite, du coup, c'est des fois ça bute un peu, c'est normal. Des machines. On peut les prendre par surprise. Donc voilà. Non, j'aurais dû faire une attaque... C'est pas grave, c'est déjà bien. Allez, viens jusqu'ici, mon pote. Vite. Voilà, parfait. Allez, fonce. Ok, nickel. Ah. Voilà, élimination. J'arrive pas à ce que je voulais dire. Voilà, parfait. Nickel de la bluette, trop bien. Ok, il me faut les trucs de soins. J'en ai besoin.
trop bien, je peux pas le prendre. Voilà, je vais prendre ça en main. Voilà, nous te suivons, Aloy. Je suis pas fou de vie. Attends, on va utiliser une petite potion alors. Normal plutôt. Voilà. Je sais pas par où faut passer, moi. Ils sont marrants, eux. Oh, le gros là-bas, là. Oh, bah excuse-nous. Non, 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 tu m'as pas vu. Faut vraiment aller par là, mais genre... Ah bah t'es marrant, toi. Vite, vite, vite. Élimination. Personne n'a rien vu. Je regarde, il est... Ah, faut que c'était une machine, ça. On va tout là-bas, toi. L'initiative. Ça va la tuer. Elle m'a vu. Je crois qu'elle m'a vu. Ça vient des petits dégâts. Allez, hop là, les dégâts. Derrière, parfait. Et la voix deviendra claire. On peut pas l'équiper. Oh, nique, hein, nique, 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 je sais pas ce que c'est, je pourrais prendre 10 ans. Voilà. Attends, faut déjà qu'on récupère les petits. J'ai plus de place. Est-ce qu'on peut éviter de les rater? La buette. C'est comme ça de la buette, j'ai plus de place. Mais c'est ça qu'il me faut. Attends, mais attends, c'est un truc de fou. Comment ça, la buette, j'ai plus de place. Ah non, c'est des flambées qu'il me faut. Ah oui, la buette, ça va se faire foutre. Hein. C'est quoi, j'ai de la buette. Attends, voir combien j'en ai. Combien il me faut de la flambée. Ah, mais c'est ça. Oui, bon, ça, ça va. Hein. On a compris. Hein. Ok, deux secondes, je vais grimper. Pour voir s'il n'y a pas des choses en haut. C'est un petit document ou quoi. On prend, hein. On pourrait grimper là-dessus. Et la chef avance d'un pas mesuré. Ok, non. Non, mais moi je regrimper. Tu descends pour rien, mon gros. Ok. Ah, du coup, on passe par là. Ok, pour faire le tour. Ok, pour aller là-bas, bah ok. Bon, ça c'est juste une passerelle. Ah, du coup, on aura pu y aller en soupçon comme ça. Ça marche. Bah écoutez, comme ça, vous le saurez. Sans tuer le gros mob. On prend tout ça, allez, on grimpe par là. Il y a un promontoire là. Oui, par ici. En fait, si j'ai rien raté là-bas. Et toi, viens. Une potion, bah je suis fou de fille, c'est dommage. Ce n'est plus très loin. Ok. À porte de gauche. Est cassé là. Oula, c'est la fonte. Oh voilà, c'est. La dernière fois qu'on est venu, on est passé de ce côté. Mais les machines nous ont vaincus. On s'est replié en perdant du matériel et des hommes. Nous allons devoir vaincre avec seulement deux guerriers et un chaman à protéger. Aloy n'est pas une guerrière ordinaire. Et je peux me défendre. Mais bon. On pourrait passer par là, plutôt. Il y a des machines là-haut, mais aussi des abris. On pourrait rester cachés, au moins au début. D'accord, je vois nos options. Des tuyaux, des tours... D'accord. La vapeur, du gel... Moi, je prenais ça. À voilà, quoi parfait. Ça sert. Sur un autre jeu.
Non, mais je vais pas faire ça, voilà. Nickel. Elle a plus de trucs à côté. Je fais les réserves. Médecins. Ouais, deux médecins de trucs médicaux. T'as les gros trucs comme ça. Non, moi, ça va passer par à droite. Faut être assez discret. On peut voler l'escalier qu'il y a là. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop de documents en plein milieu de tout ça. Normalement, non, mais. Je sais pas, ouais, je sais pas du tout. Je suis passé par ici il y a des années, en quête d'un abri pour échapper aux machines. L'endroit est sûrement gardé maintenant. Oui, tu peux éviter de les affronter, moi ça me va. Ok, nickel. On va prendre ça parce qu'on est assez haut. On compte pour les petites caisses. Hein. Oula! Nous suivons le départ, Aloy. Ok, on va attendre. Est-ce que tu penses que je peux le pirater? Non. C'est une élimination. Comme si ces énormes tuyaux étaient remplis de givre lymphe. Mais pourquoi? Des givre lymphe. Pourquoi elle invente un mot d'un coup? On n'a jamais entendu ce mot depuis le début. Des givre lymphe. Non! Ta gueule! Là, tu n'appelles personne, on t'a dit. C'était juste. Ah, je voulais pas faire ça. Oh, mince. On a rameuté un peu de mob. Ok. Certaines menaces ne se révèlent pas tout de suite. Garde. Waouh, j'ai pas plus grave de la vie. Que la lumière nous guide. On a décoché lui, aux armes. Il m'a attaqué lui, il tombe. Allez encore. Nickel. Il va pas tomber. Oh mince. Il va prendre des coups là. On les a toutes tuées ou? Oh non, elle est normale. Bah, elle est utile l'autre avec son truc électrique, hein. Moi, c'est vrai que je l'utilise peut-être pas assez, je sais pas. C'est pas incroyable. J'ai un peu trop de beau vieillard. Ok, nickel. Point toujours aussi brutal ici. Ah, c'était quoi ce truc bleu? Bon, attendez, je vais faire un peu de. De tri là. Oh non, non, on peut faire ça ensemble. Non, je vais faire un peu de tri, on se retrouve. C'est... On va plutôt faire ça parce que la. La réparation de la monture. Oh, en vrai, je ne répare pas la monture. On va mettre ça. Bon, là, c'est pas les trucs les plus intéressants, mais je voudrais bien avoir toutes les compétences. Comme ça sera fait. Alors, on va continuer dans cette direction. Là, on l'a vu à travers le mur. Ah non, il y a un veilleur. Ok, on continue. Mais du coup, c'est bon, là, tu as pas mal de bêtes. C'était pas si chaud. Bah, un peu quand même, j'avais plus trop de vie non plus, mais. Mais, attends de voir. S'il n'y a pas genre une caisse comme ça pour prendre tes potions. J'aurais dû prendre un chariot. Il reste une potion, du coup on va pouvoir en utiliser une. Et il nous faut des flambées. J'en ai tant que ça des flambées. Et j'en ai zéro des flambées. Oh sérieusement, bah attends, mais faut qu'on en prenne des flambées, on n'a pas le choix. Oh oui, bah heureusement que j'ai fait la... heureusement que j'ai fait de la place. Hein. Attendez, lentilles de veilleur, commerce, échange contre de mes éclats. Allez, dégage. Désolé de mettre ça là-dedans, mais... La fabrication de munitions. Ah ouais, d'accord. En vrai, c'est chiant de niquer ça, mais pas chiant. Voilà, donc après, il y a ça. On va pas le lire, mais au moins c'est là. Je pensais connaître le froid le plus mordant. Mais ici... Il fait froid, ouais. Tout à l'heure, ils se plaignent du froid. Surtout à l'œil. Mon souffle, il gèle même avant qu'il sorte de ma bouche. Oh, 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 voilà. Alors, donc, ça me prend. Je garde ça pour plus tard. Oh. Attention aux mines, s'il y a des traqueurs. Mais t'es complètement détraqué, lui. Continuons. Sous les portes. On a bientôt atteint l'entrée de la tour. Là, on va pouvoir y aller. Allez, on saute et on y go. Nickel. C'est plutôt parfait tout ça. Il y a une porte là-bas et un refuge.
Nous y sommes presque. Oh, attention. Faut pas oublier ces trucs-là, hein. Ah, c'est un truc audio cette fois, nickel. Allez lire. Techniquement, je ne peux pas suspendre le refroidissement, mais je peux réduire l'alimentation de façon à ce qu'il soit caché par la caldeira. Mais caché de quoi? Embrasement a toujours été classé confidentiel. Cette précaution semble excessive. Même pour le regretter, Monsieur Blevins. Qu'est-ce qui aura bien pu inquiéter autant Anita? Faut demander à Anita. Et franchement, moi, je fais toujours des interventions tellement utiles, quoi. Vous n'avez jamais vu ça. Devoir abandonner autre chose. Sans éclat, quand même. Ça sert à quoi, de toute façon? Bah, en vrai, les noyaux, ça se trouve, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Juste vite fait pour savoir pour après. Oui, je sais toujours pas à quoi ça sert, je regarde pas. Contre du métal. Ok, génial. Voilà. Donc là, il y a la suite. Ok, ça va être bon, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose à côté. Ouvrir la porte. Ok. Il y a encore des machines dans le coin normalement. Potion, de toute façon, je suis full vie. Ça mène à où? Pourtant, regardez, imagine, il y a un petit truc ici. Oula! On va vraiment aller en bas. Vas-y, on va ouvrir la porte, hein, comme ça sera fait. Si c'est malin, mais on fait voir. Hein. Attends, ça va être. Ouais, ok, bon, moi c'est ouvert. Allez, on va peut-être remonter, nous. Parce que j'ai envie qu'il y a un buffle qui me rentre dedans, là. Ça ira bien pour aujourd'hui. Deux secondes, voilà, merci. Comme ça. Je suis trop chargé. Oui, t'es trop chargé, on le sait. T'inquiète pas, on a pu te regarder plein à cette fois pour le voir. Enfin, je récupère un peu de flambée, c'est cool. C'est un projecteur? Si. Merci d'être venu, tout le monde. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre un pot dans un volcan en activité. Sauf pour Georges. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir de boire pendant le boulot. Dans un volcan? Nous n'aurions rien pu faire. Excusez-nous. Sans notre bien-aimé directeur, Kenichou. Donc, à votre santé, Kenny. Vous avez bouché la caldeira de Yellowstone. Vous avez bien mérité une margarita. Attendez, avant de troquer, j'ai une chose à ajouter. Ouais. Ce projet n'aurait pas été possible sans notre programmatrice. Merci, Anita. D'avoir créé le vrai cerveau de l'équipe. Sion. Sion ? Je suis d'accord, directeur Chou. Ah, ok. Alors, Sion, quel est le dernier chiffre ? Nous en sommes actuellement à 1654. Trinquons à 1654 années de plus sans une seule éruption. Ah, il contrôle l'éruption du truc, mais c'est pas bien de faire ça. C'était l'esprit, avec les anciens. Les anciens. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce qu'elle a dit. Tu avais raison, Aubert. Pourquoi il contrôle l'éruption du volcan? Cet endroit a été conçu pour empêcher un désastre. Et ça a marché. Bah, en vrai, l'esprit, là-dessus, c'est bien. Je commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. La porte est ouverte. Ok. Bah, c'est nous pouvons passer. L'esprit, ça ressemble quand même beaucoup à Gaïa. Hein. S'il n'y a pas autre chose à comprendre, je sais pas. On va devoir combattre un tas de machines pour atteindre cette porte. Celles qui ont massacré le Vérac. Mais Aloy est avec nous. La centrale peut être suspendue, le système de refroidissement masqué, montagne enneigée, volcan. Alors pourquoi je stresse autant pour la suite? Alors moi, je dois avoir moins froid. Mystérieux logiciel d'Anita et discuter un peu. Mais comment il peut faire aussi froid autour de ça alors qu'on est dans un volcan? J'ai envie de rocher, c'est solide, mais bah c'est. Bah c'est bien, voilà quoi, mais à un moment. Tu vas sentir qu'il fait chaud à un endroit, non?
élimination. Attends, non, il nous a vu. On va derrière faire attention. Je vais faire profil bas. Oh, putain, faut pas qu'il nous voie lui. Sinon c'est un peu chiant. Reste là-bas. Allez, viens ici toi. L'autre en face il va nous voir. Allez, élimination. Oh, mais le jeu, il me gêne. On fait ça, tu te retournes pas, élimination. Je dois faire du silence. Voilà. Le tabac il veut venir, c'est ça? Bah écoute, on va l'attendre. Oh, il a son grand frère en plus. C'est quoi ça là-bas? Ouais, oh, c'est que le pantalon. Allez, vas-y, viens. On va pas trop se montrer. J'aurais dû aller au rocher là-bas, mais je me suis dit, vas-y, imaginez, il y a le cadavre de l'autre qui me gêne. Qui me voit, c'est chiant. Pour l'autre là-bas, je sais pas si on va pouvoir l'éliminer. Hein. Élimination. Forcément, on s'en sort. On va tuer la machine là. Oula. Mon problème, c'est quoi? Ça. On a trois flèches. On peut pas faire une attaque silencieuse. Voilà. Alors, attention. Oh c'est tout. Oh ça fait 2 dégâts. Bah vas-y. Tiens, un coup ça va détruire mon armure hein. Bah attends, ils sont tous. Ah ouais. En gros mine de rien la chamane elle nous aide bien. On va aller avec sa glace. Alors moi j'avoue que c'est tenu. C'est rare de sortir de l'aide des combis. On ressent là. Bah je la ressens. Allez donne-moi la flambée. Voilà, tout ça pour ça quoi. Voilà. On prend ça. Voilà. Maintenir pour pirater. Ah moi j'ai pas maintenu. Il lit, il fait même pas ce qu'il écrit. Cela est éclatant, effectif de mobilisation des défenses autonomes. Ah ah. Des machines, préparez-vous. Ah ah. Ah ah. Ok. Bien avec ça. Oh, faut de la patte sac et tout. Vas-y, mais laisse-moi fuir, non? J'ai ça depuis tout à l'heure. Tiens donc. Bah vas-y, viens. Ah ouais. Prends-toi ça dans ta gueule. Ça prend tout le fumeur. Et faut en avoir un peu des balles, hein. Ah, j'ai plus de mine. Je crois. Voilà, meurs. Qu'on a réussi.
Ça lui en fallait beaucoup, hein. J'ai toujours trouvé les champs d'exploits futiles. Je vais même pas te fouiller. Mais j'avoue que ce combat mérite d'être chanté. Tu vas l'ouvrir ? On va voir. Moi, j'aimerais bien qu'il chante en vrai. Oh, vas-y. Ils auraient pu le faire chanter, quand même. Depuis l'internat, il le contrôle. C'est comme une infection qui attaque toutes ces machines. Tout est corrompu. Quand j'ai prise pour atteindre l'esprit. D'accord. On y va. Ouais. Et on en finit. Deux secondes, ouais, j'arrive donc, on a fini une petite quête. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour cette vidéo YouTube. Bon, je pense que là, elle aurait été en plusieurs parties parce que ça fait 50 minutes que je suis là-dedans encore. Je crois que chaque petite quête là, comme ça, bah, c'est comme des grosses quêtes. Une heure, ça me prend. C'est pas mal. Bah voilà YouTube, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On en a fait pas mal, on aura avancé quelques petits combats. C'est très sympa pour l'instant, vraiment le jeu. Le DLC, comme je dis à chaque fois, il met une tempête au jeu de base. Vraiment, que le jeu de base était bien. Il était beau, les décors étaient beaux. La gueule des persos un peu moins. Là, c'est largement amélioré. Les cinématiques, ou même genre juste les plans, la façon de faire. Quand on voit juste les persos parler. Bah, c'est tellement mieux fait, c'est tellement plus vivant, c'est fou comment c'est tellement mieux, je trouve. Et là, enfin, j'ai vraiment l'impression de jouer au gros jeu PS4 que les gens nous vendent, hein. Et c'est très cool, voilà, moi j'aime ça. Si vous aussi vous aimez ça, n'hésitez pas à lâcher le like. Bah, écoutez, j'en profite. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le like, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir. Je suis actuellement live sur Twitch quand je fais les vidéos, donc si jamais vous voulez me suivre, eh bien n'hésitez pas, le lien est en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez à la vidéo. Genre moi, la vidéo en elle-même, ce qui s'est passé dans la quête aujourd'hui en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde, plus.